aimez les fêtes foraines, les sensations fortes, alors rejoignez-nous sur le www.power-max.org. Power-max.org. The number one. Bienvenue à la fête foraine de Nantes. Aujourd'hui, nous allons essayer le banzai. Il s'agit d'un grand 8 en U très pentu, pouvant embarquer 20 personnes à une hauteur de 35 mètres. Le train est tiré, puis lâché de cette hauteur. Le 0 à 100 km/h se fait en seulement 3 secondes et vous procure une accélération de 4G. C'est une attraction de construction française, unique en son genre, un véritable monstre d'acier. Nous allons l'essayer pour vous aujourd'hui pour Power Max. Et attention, ce manège, ça fait crier les filles. On y va! Le banzai, c'est aussi 19 mètres de largeur, 37 mètres de longueur, 195 tonnes, 4 jours de montage et de nombreuses remorques pour transporter ce géant seulement visible dans de grandes fêtes foraines durant au moins 3 semaines, 1 mois. Bref, autant dire que l'on ne reste pas sans impression à côté d'un tel monstre. Pour rappeler que l'on a bien affaire à une véritable machine à sensations, ce grand 8 très pentu a pour appellation le nom Banzai. La décoration, elle, a pour thème principal l'aviation. Le nom de l'attraction saute aux yeux étant donné la taille de l'enseigne, équipée de nombreux cabochons. Il faut préciser aussi que le plancher a subi un restylage décoratif les années précédentes. Cette nouvelle décoration se veut plus dynamique et avertit d'entrée de jeu les amateurs de sensations. Vous voulez l'essayer? Vous voulez frissonner? Alors c'est parti pour un tour de banzai! Alors ici, vous êtes servi. Il y a deux sortes de sensations dans un tour de banzai. La première sensation, c'est celle d'être penché à la verticale, en face du vide, pendant que le train opère sa lente ascension. Dans cette situation, vous vous cramponnez au harnais métallique et commencez à faire votre prière. La deuxième sensation, c'est la délivrance. La chute libre et le airtime sont très intenses. L'accélération est de 4G puisque le train atteint les 100 km/h en seulement 3 secondes. Et justement, cette sensation-là est particulièrement jouissive, d'où le fait que toutes les demoiselles crient pendant la chute. En conclusion, la sensation du banzai est unique. Alors si vous avez un jour l'occasion de l'essayer, n'hésitez pas et prenez les places à l'arrière du train pour encore plus de sensations. À la fête foraine de Nantes, cette année le banzai remplit tout le suffrage. C'est une attraction que l'on fait et refait avec toujours beaucoup de plaisir.